Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Tech News. On commence par YouTube et leur Illuminati et faux atterrissages sur la Lune, les vidéos sur la théorie du complot blessant YouTube. Lui, Velesky, a des opinions intéressantes. Il pense que les fantômes existent et que les humains n'ont jamais été sur la Lune. Résident de Melbourne, en Australie, Velesky expose ses points de vue sur sa chaîne YouTube Better Mankind, qui lui rapporte jusqu'à 5 400 $ par mois. Il s'avère que la théorie du complot sont très rentables pour l'entrepreneur enclin à YouTube. Sur sa chaîne, Péladophobien, Ray Sylvay, 18 ans, et aussi d'Australie, publie des vidéos comme School is Illuminati et Donald Trump is Vladimir Poutine. Bien que satirique, les vidéos peuvent être associées à d'autres articles contraires aux ésotériques dans les résultats de recherche. Sylvay gagne en moyenne plus de 7 500 $ par mois à partir des publicités que certains de ses 628 000 abonnés voient. YouTube fait également un paquet, environ 55% de l'argent que les entreprises paient pour mettre leur annonce de 30 secondes au début des vidéos populaires va aux créateurs de contenu. Le reste va à Alphabet, la maison mère du site. Il a déclaré des revenus de plus de 110 milliards de dollars en 2017, contre 90 milliards de dollars en 2016. Près de 90% de ce chiffre provenant d'annonces et un nombre croissant d'entre elles étaient sur YouTube. Créé en 2005, YouTube est la plateforme de contenu vidéo dominante d'Internet. Les gens du monde entier regardent environ 1 milliard de vidéos éducatives sur le site chaque jour, et plus de gens l'utilisent comme une source d'information. Mais les médias ont impliqué YouTube dans la propagation de fausses nouvelles et de l'extrémisme, souvent à cause des vidéos de conspiration venant de fausses informations. Maintenant que Facebook est sous surveillance gouvernementale et peut-être confronté à une réglementation, YouTube prend des mesures pour assurer sa propre intégrité, et cela pourrait signifier la fin de l'entreprise de vidéos de conspiration. Titan Tower, si elle est détruite par une météorite à Fortnite, qu'est-ce qui va la remplacer? Beaucoup de fans s'attendent à voir la destruction de Titan Tower très bientôt, car une météorite semble se diriger droit vers elle. Epic Games n'a pas confirmé qu'une météorite viendrait frapper la carte, mais il y a beaucoup d'indices dans le jeu qui suggèrent que quelque chose se passera très bientôt. Cela signifie également que si Titan Tower est détruite, les développeurs doivent encore dire ce qui pourrait la remplacer. Il y a beaucoup de théories au sein de la communauté sur ce qui va se passer et comment les tours Titan pourraient être remplacées. Captive Castle est une idée suggérée par le youtubeur Exility, qui selon lui se fait parce que la zone Titan blesse le gameplay. La structure du château étendrait l'action plus loin, y compris plus d'espace entre les coffres. Une théorie suggère que le météore pourrait être un vaisseau spatial qui atterrira sur la carte. Une autre théorie intéressante est que le météore ne détruira pas Titan Tower et va à la place s'écraser sur la carte et produire des zombies et autres monstres. Cela conduirait alors au lancement de la version gratuite du mode de jeu Save the World de Fortnite. Les joueurs doivent actuellement payer s'ils veulent jouer au mode PvE, mais Epic Games a dit dans le passé qu'il visait à rendre le jeu gratuit courant 2018. Les joueurs sur Reddit et Twitter ont affirmé que les vibrations sont en code Morse et appelant SOS 5D-418, avec 5D étant l'emplacement de la carte de Titan Tower et 418 signifiant potentiellement le 18 avril. Cependant, cela signifierait que la météorite atteindrait la carte aujourd'hui, et jusqu'à présent, il n'y a aucun signe d'une attaque de météore. Et on passe à Google Chrome, faux bloqueur d'annonces Chrome utilisé pour créer des botnets. Plus de 20 millions d'utilisateurs de Chrome ont été trempés dans l'installation de faux bloqueurs de publicité qui pourraient voir leur machine recrutée dans un botnet. Selon un nouveau rapport, une fausse extension Adblock Plus a trompé de nombreux utilisateurs l'année dernière. Comme de nombreux utilisateurs de Chrome découvrent le blocage des publicités en procurant les extensions disponibles. La création de faux clones est devenue une tactique populaire pour les cybercriminels selon AdGuard. Ces dernières extensions sont des arnaques simples avec quelques lignes de code et des analyses ajoutées par les auteurs. Selon André Meshkov d'AdGuard, depuis longtemps, différents auteurs ont commencé à spammer Chrome Web Store avec des clones paresseux de bloqueurs de publicité populaires, avec quelques lignes de code sur le dessus. C'est ainsi que les utilisateurs finissent par installer AdGuard Hardline ou AdBlock Plus Premium, ou quelque
quelque chose comme ça. La façon de lutter contre ce genre de choses est de déposer un abus de violation de marque à Google. Et cela leur prend quelques jours pour prendre un clone. Une analyse détaillée et de l'une des extensions montre qu'il utilise un code malveillant pour envoyer des informations sur les sites visités et reçoit des commandes qui peuvent modifier le comportement du navigateur. Vous pouvez en savoir plus et voir une liste d'extensions utilisant cette approche sur le blog d'AdGuard. PUBG Mobile, mise à jour 0.4.0 live avec le mode arcade et terrain d'entraînement. PUBG Mobile Update 0.4.0 se déploie peu à peu dans toutes les régions avec quelques nouvelles fonctionnalités pour le populaire jeu Battle Royale. Le changelog officiel via le surédit du jeu propose un mode arcade, des terrains d'entraînement et plus encore. Ces modifications correspondent essentiellement à une version antérieure de la version chinoise de PUBG Mobile. Si vous ne pouvez pas attendre la mise à jour d'Android dans votre région, n'hésitez pas d'utiliser le fichier APK à vos risques et périls. Notez que vous risquez de perdre des informations de compte ou de classement en conséquence. La mise à jour semble être plus courante dans Google Play Store dans des états dispersés à travers les États-Unis. Cela dit, si vous jouez à PUBG Mobile sur iOS, ne soyez pas choqués si vous devez attendre quelques heures pour la mise à jour. Comme avec la plupart des mises à jour mobiles, elle apparaîtra simplement dans la section mise à jour de votre boutique mobile respective. Appuyez sur le bouton pour mettre à jour et le fichier sera téléchargé. PUBG Mobile est disponible sur Android et iOS. La mise à jour 0.4.0 sera éventuellement disponible sur les deux plateformes. Côté espace, la planète Saturne mise à l'honneur à la Cité de l'Espace de Toulouse. Ce mercredi à 18h30, la Cité de l'Espace de Toulouse a organisé une conférence autour de la planète Saturne et des découvertes effectuées par la mission Cassini de 2004 à 2017. La planétologue américaine Linda Spilker y présente notamment la lune Encelade qui gravite autour de Saturne et sur laquelle ont été découverts des geysers ainsi qu'un lac d'eau liquide qui sont les ingrédients nécessaires au développement de la vie. La mission Cassini a donc permis une avancée majeure sur la connaissance de la planète Saturne. On termine avec du shopping tech. Le DJI Mavic Air est de retour chez Gearbest en très petite quantité avec une fois encore un prix très intéressant. Le drone est en effet proposé à 656,59€ dans sa version blanche. L'offre est pour une fois limitée dans le temps et elle est ainsi uniquement valable pour ses prochaines heures. Le vrai problème vient cependant des stocks puisque la boutique a pour le moment une vingtaine d'unités en réserve seulement. Des unités qui risquent de s'écouler en l'espace de quelques minutes. Si l'aventure vous tente, il sera donc préférable de faire parler assez vite et de commander le drone sans attendre. Pour ce faire, il suffira de vous rendre à cette adresse dans la description et de saisir ensuite le code promotionnel qui va avec. En parallèle, Gearbest propose aussi une réduction sur le pack combo et ce dernier est ainsi proposé à 859€. Code promo en description. Le Mavic Air supporte pas mal de formats vidéo différents et il sera ainsi capable de filmer en 4K à une cadence de 30, 25 ou 24 images par seconde, ou bien en 2,7K à 60 IPS, en 1080p à 120 IPS ou en 720p à 120 IPS, avec un bitrate atteignant les 100 Mbps par seconde. Le Mavic Pro pourra enfin atteindre une vitesse de pointe de 68,4 km par heure en mode sport et il offrira une autonomie comprise entre 18 et 20 minutes en fonction des conditions de vol. Attention, concernant la livraison, optez impérativement pour une méthode avec suivi afin d'éviter les mauvaises surprises. Les délais de livraison peuvent être parfois longs en fonction du passage en douane. Et voilà tout pour cette Tech News. En espérant vous voir pour la suite, n'hésitez pas de vous abonner. Excellente journée.